Ce matin, France Bleu Azur est en direct du marché de la Libé avec Zine, artiste local, folklorique, qui met en avant le Nissart à travers ses chansons. Elle sort un tout nouvel album, hein, qui est d'ailleurs sorti samedi. Bonjour Zine. Bonjour. Donc cet album, est-ce que tu peux nous en parler ? Oh, bah, c'est un double album de 23 chansons en niçois qui traitent de thèmes d'actualité, des chansons d'amour, des chansons de savoir se protéger des énergies négatives, des chansons d'espoir, quoi. L'album s'appelle Cantar la vida, Cantar l'espère. Et on va en écouter un extrait. Alors, c'est la chanson Au mercato de la Libé, sur le marché de la Libé. Au mercato de la Libé, ils sont doudou et les coulous. Au mercato de la Libé, ils sont des joyas de cada jour. Le monde est venu, le monde est bon, charrenda qui est d'Aïtaïa. Le monde est venu, le monde est bon, qui est d'amour à part déjà. Au mercato de la Libé, mon pain grand vendia d'eau. Son luau de Yéganina, son luau de la Mouya. Le monde est venu, le monde est bon, sous pousse les ultra-flou. Le monde est venu, le monde est venu. Daily Hume est la ronda. Marché de l'inspiration à Nice, le dernier marché couvert de la Libé. Elle s'appelle Zine et elle est avec nous. Elle nous accompagne tout ce matin sur France Bleu Azur. Allô, Rababé ? Bonjour Zine. Bonjour. Bon Zine, ce marché de la Libé, vous le connaissez bien puisqu'il y a une histoire bien particulière avec vous. Aïe. Et ça remonte avec votre grand-père, Aïe. D'accord, j'ai oui. Eh bien, mon grand-père, il était en face, à l'entrée du parc. Là, il y a une porte en métal, il était sur la droite. Je suis désolée de le dire, mais la mairie de Nice a remplacé le stand de mon grand-père par une poubelle. Ah, bon. Je suis un peu déçue. Ouais, ça c'est la petite déception. Qu'est-ce voilà. qu'il vendait à l'époque ? Parce que vous avez plein de souvenirs autour de ça. Ben, il était producteur en fait, au-dessus du canal de Guéraud. Et ben, il toute sa production. Donc je sais qu'après la guerre, il avait fait les chiens. Parce qu'en fait, tous les chiens avaient été mangés. D'accord. Donc, il faisait des grèves de chiens. Après, quand ça a été repeuplé en chiens, ben, il y a eu les fleurs. Et après, bah, tous les légumes, les lapins, les poules, les œufs. Les œufs, principalement. Et le veau aussi. Hein, il faisait 2-3 veaux par an. Ça faisait partie des... Et ça fait toujours partie des marchés de producteurs locaux. Comment vous pourriez décrire l'atmosphère du marché de la Libération ? Enfin, j'allais dire, aujourd'hui, c'est pas forcément le bon jour, parce que c'est le jour où moi, les producteurs que je connais m'ont dit, on est à la campagne, parce qu'en ce moment, c'est les olives, alors ils ramassent les olives, ils ont des trucs à faire. Donc le mercredi, apparemment, il y a un peu moins de producteurs. Il y a déjà pas mal de monde, il y a déjà pas mal de producteurs. Ah, c'est bien, il y a quand même une certaine effervescence. Mais comment vous pourriez le décrire ? Ben, comme dans la chanson, hein, j'en ai fait une chanson. Ouais. J'allais dire, plein d'odeurs, plein de couleurs, de la joie de vivre, les gens se saluent, ça fait plaisir de voir les connaissances. C'est ça qui vous plaît, voir les gens renouer avec le dialogue, échanger avec ses producteurs. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression que c'est un lieu où les gens ont envie de retrouver le dialogue, ce qu'on n'a plus forcément dans les supermarchés. Ben, c'est ça, voilà. C'est ça. Puis même là, j'allais dire, il y a des... Ce que j'aime bien moi aussi au marché, c'est par exemple, tu as les caisses de légumes abîmées, donc si tu n'as pas trop de budget, tu trouves quand même de quoi manger, ça arrange tout le monde, il n'y a pas de gaspillage, donc c'est un côté vraiment simple. Quoi. Et puis on se promène, on en profite voilà. à l'extérieur, parce qu'on peut aller faire un tour du côté du poissonnier dans une allée, aller du côté des fruits et légumes, voir le fromager aussi. On a aussi cette gare du Sud, Zine, hein, qui est aménagée. Bon, ça, pour vous, ça a un petit peu changé l'ambiance en quelque sorte. L'intérieur de la gare du Sud, vous trouvez ça un petit peu moins... J'ai pas envie de trop critiquer, mais déjà, je pense que s'ils arrêtaient de mettre une musique de radio, je pense que ça, c'est un problème. Parce qu'en fait, les gens viennent pas au marché de la Libé pour avoir la même ambiance. Il fait sa spécificité, le marché de la Libération. Zine, on apprend aussi mieux vous connaître. Vous êtes professeur des écoles, mais aussi chanteuse. Vous chantez en Issard. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Oh, j'ai pas trop réfléchi. J'ai pas trop réfléchi dans le sens où je trouve que c'est une belle langue et ça me donnait envie en fait. Fierté de représenter cette langue comme ça. Ben, fierté en fait, moi j'ai même pas réfléchi, j'allais dire c'est vraiment. Maintenant c'est sûr qu'on dit que c'est une militance, il y a besoin de. Les gens sont demandent en fait, c'est comme les bons légumes de proximité des producteurs, les produits locaux, ben, j'allais dire c'est un peu pareil. Chanter en niçois, c'est défendre son identité locale. C'est ça. Et vous avez fait notamment cette chanson extrait de votre tout. Dernier album, El Mercato de la Libé, et vous allez nous en faire... Alors je rigole parce que... Au Mercato de la Libé, oui. Je me rattrape, vous allez nous en faire un petit live inédit pour nous. Arnaud, est-ce que ça vous dit ? Est-ce qu'on casserait pas le... Voilà. Petit instant, juste, je vais accorder la guitare, voilà, je voulais monter ça parce que... Silence. Voilà. Silence.
Non, non, mais alors, c'est bon, elle est accordée. C'est ça, moi je... Mais je voulais faire une petite blague sur le mercato, parce que j'ai aussi une chanson sur les joueurs du gym. Ah. Et à cause du mercato, tous les ans, je dois changer les paroles. Ah, ben oui, mais oui, oui. En fait, c'est « J'aime les filles » de Jacques Dutronc, « Parmentier pour les joueurs de foot, j'aime tous les joueurs de l'équipe, sauf que tous les ans, je dois changer les paroles à cause de ce mercato. » À part avec Dante, ça c'est le... Voilà, comment Dante, et je lui ai fait d'ailleurs sa petite chanson portugaise en soi. « Issa Nice, avec tout est gagné, ici en premier. » Voilà. Bon, ben là je vous fais celle du marché alors. Au mercato de la Libé, c'est à vous. D'accord. Alors, au mercato de la Libé, ils sont doudous et des gros. Au mercato de la Libé, ils sont des joya des cadachos. Tout le monde est venu, tout le monde est vent, j'arrête d'acquiller d'ailleurs. Tout le monde est venu, tout le monde est vent, liés d'abou à part déjà. Au mercato de la Libé, mon paille grand pays à ton. Au dénié galina, son paillu au de la magouya. Le monde est venu, le monde est vent, sous le soleil, ultra flou et frutcha. Le monde est venu, le monde est vent, daily humez la ronda. En français aussi ou... Allez, allez en français. Oh là là. Allez pour les Parisiens. Merci. Ah ben les gens sont contents de l'entendre, hein, alors. Ah, oui. Au marché de la Libé, mon grand-père vendait des œufs. Ce sont les œufs de mes poules et pas les œufs de la magouille. Le monde vient, le monde va, on va battre ici et là. Le monde vient, le monde va, il y a de l'amour à tour de bras. Au marché de la Libé, mon grand-père vendait les œufs. Et ce sont les œufs de mes poules et pas les œufs de la magouille. Le monde vient, le monde va, on bavarde ici et là. Le monde vient, le monde va, il y a de l'amour à tour de bras. Bravo. Merci. Bravo, bravo. Eh oui. Mais c'est vrai qu'il disait ça, mon grand-père. Ben, on est en direct et les gens s'arrêtent et connaissent bien Zine, hein, qui se produit assez régulièrement ici avec cet album qu'il faut vraiment aller découvrir, La vie d'un cantar, chanter la vie, chanter l'espoir. C'est ça, ça, ça fait du bien, ça met du baume au cœur. Zine, on vous retrouve dans quelques instants, vous restez avec nous. Tout à fait, donc, va bien. On va parler de votre album et du marché de libération. Double album, hein, 23 chansons sur toutes les plateformes. Donc, elle met le capot de la chanson, comme on dit. D'accord, Zine, va bien. Alors je pense que vous pouvez trouver que nous, on est vraiment juste devant la gare du Sud, vous étiez tout devant, mais on va bouger puisqu'on va aller du côté de l'adresse gourmande que Zine voulait nous faire découvrir. Ah d'accord. Voilà, donc on va se balader. Alors on accélère. On accélère. Je suis avec l'équipe de France Ablu. On est sur le marché de la Libé pour l'émission, regardez, ça court. C'est du terrain là. Ouais, il va falloir que tu sois imaginatif. Mais... Beaucoup de guests, hein, beaucoup de surprises d'ailleurs. J'ai pas filmé, alors pour savoir vite. Ben en fait j'ai mis 3 ans à le faire pratiquement. Donc comment j'ai fait? Ben j'ai galéré. Parce que c'est pas évident de produire tout ça seul. Après c'est un plaisir, j'ai pris le temps de, ben, d'enregistrer. Souvent je commence guitare voix. Allé par d'importants appels téléphoniques, je ne pourrais pas arriver avant 10h50. Bonjour. Bonjour. C'est Nice, là. Emmanuel. Ouais. Bon, on voilà. On fera une autre. Qui nous accompagne toute cette matinée, cet artiste qui met en avant le Nice Art, qui met en avant aussi ce tout dernier album qu'elle vient nous présenter parce qu'elle est fière de cette identité et elle vient très souvent chanter au marché comme un petit peu. Avant, comme on pouvait faire, quand il y avait ces saltimbanques, ces troubadours qui venaient chanter, apporter de la bonne humeur. Et tout de suite, eh bien, Zine a aussi voulu nous amener dans une adresse gourmande assez incontournable. Ici, ça s'appelle Loup Jardin. Et on est avec son responsable qui s'appelle Monsieur Jean-Paul Galli. C'est votre
aujourd'hui la responsable. Ah, j'en parle. Elle va passer. Après. Bon. Elle va passer. Ah, d'accord. Là, on est vraiment dans le temps. 2022 et 2023, ça c'est votre réussite. Reste fière comme toujours et résiste. Tu es brave, pierre après pierre, plan plani. Lève la tête et reconstruis. Il t'est arrivé tant de choses, tu as jamais perdu le courage. Tu as donné tant de sueur, il demeure tant d'amour. Tant de pluie t'est tombée d'un seul coup sur la tête. Reste fier, regarde devant, ce n'est pas le premier orage. Dinte est fière à la Muvalade, à ma vallée, au Mont Palis. Dinte est fière à Roya Tinea, Vesubia. Dinte est fière à Kuma Tuju, et résiste, et caissiers brava. Peira, peira, plan plani, leva la testa, tourna basqui. Des arriba, tetandeka, wakas, jamai, dal salabrida. Ajaduna, tetande, sudou. Aidez-moi, ratin d'amour, tant des pleuils et des tombades, et nous courons sur la testa. Tente fière à garda d'avant, Israël ou premier ouragé, tente fière à la muvalada. Qu'est-ce que vous avez à dire à Pascal Nègre? Oh, ben une abayette, je lui fais un bisou. C'est bon, on va pas rester disputé. Pourquoi? Oui, alors je peux te la faire entendre. Ouais, c'est Adrien. Ah. Ou... Tu entends Jean Reynaud, il n'y a pas encore la carrure de Jean Reynaud. Jean Reynaud, il faut encore un peu qu'il se bonifie. Mais il fait bien le travail. Je crois qu'il t'a dépassé. Une bonne qualité. On va se faire plaisir, on va écouter c'est ça. Imagine en version Imagine. Panta, il y a une peau. La grande émission. Voilà, c'est ça. Vous n'êtes pas dire que ce sera Paris. Ma figure sous les annoncio. La sphère une joue et benaute sera. Et le monde figure sera une. Et puis on retrouve Zine pour une petite dernière partie. Zine, donc notre artiste local qui vient de sortir son tout dernier album samedi dernier avec ce texte sur le marché de la Libé, cette musique sur le marché de la Libé. Zine, elle va nous interpréter maintenant une autre chanson de son répertoire, une chanson pour les enfants, parce que vous écrivez aussi pour les enfants. Et oui, c'est très important, c'est la relève. Ouais. Et vous êtes maîtresse d'école aussi. Aussi, voilà. Alors... Maîtresse d'école, hein, précisons bien. Oui, maîtresse d'école, j'avais dit le contraire. Ah, parce que j'ai quand même pas mal de propositions d'hommes mariés. Et moi, je suis toujours pas mariée, mais j'aimerais bien, je fais une annonce aussi, tant qu'à faire, j'aimerais bien en trouver un qui a le courage de ses arguments. Eh bien, si vous voulez 3615 Zine qui n'en veut, cette émission... Ah, mais ils en veulent, mais ils n'ont pas le courage, c'est pas pareil. Ils n'ont pas le... Bon, ben... Alors moi, je préfère rester toute seule. Eh bien, on passe à la chanson. Zine. Voilà. La 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 la, ta piñata, ta piñata, voilà, Léo. Donc, Rata Pignata, eh bien la chauve-souris. C'est ça. La chauve-souris, je suis pas mal, hein. Je commence à avoir. Et les quelques... enfants l'adorent, hein. C'est simple, c'est efficace, c'est une chanson à geste. Voilà. C'est le gros tube de la Vallée du Paillon, là, depuis un mois et demi, deux mois que je l'ai inventé. La Rata Pignata, on rappelle cet album que vous sortez, Cantar, La Vida Cantar, c'est sorti samedi, on le retrouve sur toutes les plateformes de streaming. Zine, donc notre chanteuse locale qui chante Nice, qui chante les traditions. Zine. Ouais, qui a toujours. C'est ça.
on passe un bon moment. Elle est solaire, elle est... Oui, c'est vrai, c'est le petit soleil de Nice. Oh là là. Et on l'a dit, elle cherche absolument à se produire. Donc si vous avez envie de la faire venir, pourquoi pas, dans votre village, on pense d'ailleurs dans le haut pays, dans le moyen pays, mais aussi ici, elle vient avec sa guitare et puis elle vient chanter. Ah, j'ai un groupe. Voilà, vous avez pu découvrir une partie des coulisses d'une émission qui a duré pratiquement 2 heures sur France Bleu Azur, que je remercie. Vous devez savoir que j'ai essayé de négocier âprement pour faire rentrer la chanson du Mercat de la Libé dans la playlist, puisque Radio France Bleu Périgord a la possibilité de programmer de l'Occitan dans les playlists. On verra si c'est lucratif, mais c'est le seul endroit dans les radios où on peut gagner de l'argent. Alors que France Bleu Azur, actuellement, n'a absolument pas la main sur la programmation musicale. On a dit différentes choses en off. J'ai préféré les supprimer pour pas mettre en danger le journaliste qui a effectivement admis qu'on en avait marre un petit peu, à la fois eux-mêmes les journalistes, à la fois le grand public et à la fois bien sûr les artistes indépendants régionaux. Résultat, je me suis beaucoup amusée pour cette émission, mais à l'arrivée, j'ai encore perdu de l'argent et du temps. Regardez le prix du parking. Voilà, sur cette petite note d'humour, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Vida des Trobaïris, la baïette.